مش جوعان، يعني ناس معاهم كده، وكذلك إبداعات ديال الأطفال اللي كانوا تصميم رائع بشكل يعني يعني موضة، وفيه حب كبير وفيه بزاف ديال التلقائية والحب للفن سورتو جميع الفنون، هاد الشتوية وموسيقى رياضة. فما شاء الله انا لي شرف انني كنت مع هاد المجموعه اللي كنا ندير معاهم حصص ديال اليوغا من هاد الاطفال، من هاد ان شاء الله تعرفوا الجاي ديال المسؤوليه. فكنتمنى لكم مزيد من التالق، مزيد من النجاح ان شاء الله، ومزيد من الحلقه في مدينه القنيطره، حيت كنحتاجوهم يعني فيهم متنفس الوليدات ديالنا. خير، مساء الخير على الجمهور القنيطري الحبيب، عواشكم مبروكه وعيد مبارك سعيد. معكم عادل المايسترو عازف الكمان. انا جد سعيد بالحضور، وكنشكر مؤسسه نوفيلينو على هذه الدعوه الجميله واللي اكتشفنا فيها تبارك الله فنانين رائدين، فنانين واعدين، وليدات صغار، انانين ذهبيه قدروا يسخطوا لنا وقدروا يسيبوا لنا طابلوات زوينين. كنت كنتمنى ان هذا المعرض يكون اكثر يعني اكبر اشعاعا باش يحضروا فيه الناس ويشوفوا وليدات صغار شنو قادرين يديروا، ومؤسسه نوفيلينو شنو قادره دير. وهذه تبارك الله بادره فنيه جميله، نتمنوا انها تهز بالذوق الفني وبالتذوق والجمال في هذه المدينه هذه. كنشكر مؤسسه نوفيلينو مره اخرى على هذه الاستضافه، وكنتمنوا الوالدين يجيو ويكتشفوا هذا المعرض ويكتشفوا هذه المؤسسه، لان الفن الان الكل يعرف ان عنده قيمه كبيره في التربيه وفي التنشئه ديال الوليدات. وان شاء الله نتلاقاو في مرات اخرى مع الاحباب ومع الفجر الاخباريه. وعواشركم مبروكه وعيدكم مبارك سعيد، ونشوفكم ان شاء الله في لقاء قريب. شكرا. Pour les adultes, là pour les adultes. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement parce que puisqu'on accompagne les enfants, on les encadre, on aime bien que les parents soient sur la même longueur d'onde par rapport à notre état d'esprit. Voilà, qu'on parle le même langage, que ce soit au centre, que ce soit à la maison. Que les enfants vivent surtout un bon équilibre. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, c'est pour cela qu'on présente l'art de la musique, parce qu'on a une belle chorale pour les adultes. Il y a l'art de la peinture aussi, qu'on a appelé art-thérapie. Bon, l'art-thérapie, c'est pour tout le monde. Il y a la méthode Pilates, voilà, c'est très important. Il y a la méditation, et voilà, là, notre coach, elle est adorable. Oui, une belle méditation avec vous, Fatima, merci. Yoga, méditation. Et la danse orientale, c'est sympa, ça, c'est pour bouger, transpirer, et ça, on s'amuse. C'est entre femmes, voilà. Et c'est toujours un moment convivial. Ben voilà, c'est le Centre Artistique Nouvel Élan. Voilà tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est les tableaux des enfants. C'est un travail qui a duré toute une année. Et on travaille surtout selon une référence pédagogique, comme Jean Giraud, comme le Vincent Van Gogh. Et voilà, ce sont mes enfants qui ont réalisé tous ces tableaux avec le semi-abstrait, avec Henri Matisse. Et aujourd'hui, le thème, c'est Picasso, comme on va voir tout à l'heure le grand tableau de Picasso. Alors, puisque le Centre Nouvel Élan, c'est surtout une école d'art, ça c'est très important. École, qui dit école, dit pédagogie. Et j'insiste sur le côté pédagogique. Voilà. Donc, là c'est Jackson Pollock, voilà. C'est magnifique. Là, il y a l'ajout de tout ce qui est matériaux bruts. Et ça fait beaucoup de compétences à la fois. Beaucoup de compétences comme ce qui est là, comme l'ajout des matières, comme je dis, les matières brutes. Ça soit, là il y a beaucoup de compétences chez notre collage, rassemblage. Et par la suite, il y a toujours la peinture, le toucher de tout, la passion. Et comme vous voyez aujourd'hui, ils ont réalisé des œuvres en direct ici, au moment du vernissage. Alors on va passer au rayon des adultes. Voilà, avant de passer au rayon des adultes, il y a les demoiselles. Comme Safia, qui a réalisé toute une année ce tableau. Comme Riba, voilà. Et là, on a célébré le 8 mars avec ce tableau-là, qui est rêve de l'illusion de la femme. Voilà. Ça fait un beau rêve. Et là, je vais parler de mon tableau personnel. Alors, il est là. Vous pouvez vous approcher.
Voilà, tellement j'avais hâte d'aller à la plage. Magnifique. Et ça m'a fait des heures et des heures de peinture pendant le mois de Ramadan de confinement. Et voilà, c'est notre histoire dans un seul angle qui est la peinture, parce qu'il y a d'autres angles artistiques.